Auxerre 19e accueille Reims 11e. Les Auxerrois sont très inquiétants. Ils sont avant-derniers car ils restent sur 7 défaites de suite. Ils ont envie de mettre un terme à cette mauvaise série face à des Rémois qui eux sont en grande forme. Reims reste sur 5 victoires et 5 nuls. Les Rémois peuvent compter évidemment sur Follorin Balogun qui sort d'un triplé face à Lorient. Balogun accompagné de Flips et Ito. Pourtant les premiers en action sont les Auxerrois. Un premier très bon mouvement avec le centre. La reprise au deuxième poteau. C'est manqué par Nuno Da Costa, titulaire aux compagnies d'Autret, Hein et Ablin. Ça ne passe pas, mais la première attaque est intéressante pour la GIA. Nouvelle attaque pour l'équipe bourguignonne. Ça va de l'avant pour la formation locale avec ce nouveau mouvement de qualité. Le ballon enroulé et le ballon chassé par Yevan Diouf. Bonne intervention du gardien du stade de Reims. Il empêche ce geste d'être plus dangereux, la tentative de Gauthier Hein. Auxerre a bien débuté le match, mais Reims sort de sa moitié de terrain pour essayer à son tour de trouver quelques solutions offensives. En voici peut-être une, avec Balogun bien sûr. Jolie parade de Radou, le nouveau gardien d'Auxerre, depuis le départ de Costil, fait ce qu'il faut. Il empêche le meilleur buteur du championnat avant le début de cette journée de marquer un but supplémentaire dans sa collection. Et cette opportunité a donné des idées au Rémois qui continue à attaquer avec cette balle mal dégagée au deuxième poteau. Balogun, habituellement buteur, se mue en passeur pour Flips. Quelle parade de Ionut Radu. Le gardien roumain réalise un geste spectaculaire pour empêcher le but de Flips et le but du stade de Reims. 0-0 à la mi-temps. Au retour du vestiaire, les Rémois continuent à avoir de bonnes opportunités. Nouveau centre dangereux. Radu accompagne la trajectoire du ballon, c'est hors du cadre. Auxerre a de plus en plus de difficultés à sortir de sa moitié de terrain. Et Reims se donne une chance de faire la différence sur cette superbe action. Le but avec un poteau rentrant, un but refusé. Superbe tentative de Marshall Mounetsi. Et l'international zimbabwéen voit ce but refusé pour une position de hors-jeu du passeur Ito juste avant la remise. Les Rémois sont passés tout proche d'un superbe but et d'enfin marquer dans cette rencontre. Auxerre a eu très chaud. Mais les Auxerrois parviennent à sécuriser un point dans cette rencontre. La toute dernière chance est trop brouillonne et trop confuse pour voir un but. Le score final est de 0-0 entre Auxerre et Reims.